Bien, salut tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo hein, très simple, très courte. Il y a un petit mix là-dedans, mais vous allez tout de suite comprendre de quoi il en tourne. Donc du coup, voilà, j'ai fini ma journée de boulot aujourd'hui, hein, donc à l'heure où je tourne la vidéo. J'ai fait un petit tour quand même, à tout hasard, dans ma galerie, dans mon petit Micromania. Et il y a eu des bonnes surprises, moins bonnes, mais il y en a une pour le prix, franchement j'ai trouvé ça intéressant. Donc du coup quand même, on va commencer avec ce petit jeu donc, que j'ai pris à Carrefour pour la modique somme de 34,99€. Et oui, il s'agit du Bio Mutant, dont je vous ferai sûrement le début en gameplay enregistré. Mais je le ferai pas en live celui-là. Je m'en excuse par avance. Du coup, celui-ci, je vous explique pourquoi 34,99€, c'est que jusqu'à samedi, je crois, profitez-en les gens, il est encore en promo à 44,99€. Sauf que moi j'avais pris ultérieurement le Resident Evil 8. Et j'avais eu en plus un petit avoir sur un prochain achat au rayon culture de 10€. Donc franchement, 34, j'ai trouvé que c'était plutôt correct. Et voilà, de première vue, là, de bonnes critiques, il est pas mal. Hâte de le faire. Mais je vous mettrai le premier petit gameplay et mon ressenti sur les quelques petites heures ou je sais pas de combien de temps je vais tourner pour vous présenter ça. Ça, c'est fait. Oui, donc maintenant, mon petit Micromania. Donc du coup, j'ai trouvé quand même deux petites choses sympas. Donc il y a un jeu Switch et un jeu PS5 en promo. On y viendra après pour le jeu PS5. Donc du coup, le petit jeu Switch, c'est simple. Il s'agit du S of the Luf. Je vais essayer de bien le dire. Le S of the Luf. Waf. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit shoot'em up. Et oui, 9,90€. Là encore, j'avais eu un petit bon via les mails pour mon anniversaire, un truc comme ça que j'avais pas utilisé, de 10€. Donc du coup, celui-ci, c'est limite cadeau. Donc du coup, ouais. Alors, il est considéré comme neuf, mais vous connaissez le système. Hein, dans les Micromania, souvent, ils te disent c'est le dernier qui reste. Et franchement, à ce prix-là, je me suis dit un petit jeu de shoot, tu vois. Ça peut être sympa à faire. Donc du coup, celui-ci, c'était limite cadeau. Et là, on va y venir. Là, je vous mets quand même la petite intro du jeu en question tout de suite et je reviens après. Voilà, regardez. Ah!
Donc du coup, vous l'avez vu, hein, il s'agit du Werewolf The Apocalypse sur PS5. Pourquoi je vous le présente? Alors c'est un jeu qui a été décrié de chez décrié, mais là, neuf, donc tu pouvais l'avoir à 20, bah, 25 euros. 25 euros neuf, et moi je me suis dit, allez, pourquoi pas? Après, peut-être que je me plante, hein, tu vois. Parce que, voilà, donc j'ai vu à peu près les gameplays, donc tu te transformes en loup. En humain évidemment et en loup-garou, voilà. Donc le but du jeu, hein, si tu connais un peu de base, c'est aller libérer sa fille qui est en danger et protéger en même temps sa meute de loups, voilà. Du coup, pour ce petit jeu, alors pour ceux qui l'ont fait, n'hésitez pas à me mettre des petits coms. Et vous me dites ce que vous en avez pensé, hein, même si c'est à chier, parce que j'ai vu les critiques, hein, les critiques, il s'est fait déglinguer. Le scénario, visiblement, les gens comprennent pas trop dans quel sens ça va, ça se mélange de base, à la base, tu pars pour aller libérer ta fille. Et au final, tout se mélange, car il y a aussi ta meute à protéger, enfin bref, c'est tout un pataquès. Et apparemment, c'est répétitif à souhait. Mais bon, franchement, allez, 25 euros, je me dis, ça va quoi. 25 euros, au final, ces deux petits titres. Franchement, c'est plutôt cool. Et évidemment, le petit biome mutant, dont je vous mettrai une petite vidéo. Voilà, les amis. Donc, du coup, si cette vidéo info, bon plan, Micromania, surtout pour les petits jeux. D'ailleurs, il y a le Banane, je sais plus quoi, qui lui est à 30 euros aussi. Sur PS5, hein. Donc c'est vraiment là, je m'adresse au possesseur de PS5 qui est à 30 euros en ce moment chez Micromania. Voilà, je pensais pas que j'allais refaire une pub pour Micromania. Moi, je l'ai fait. Voilà, hein, on a fait le tour. Il y aura donc, du coup, je vous prévois un petit gameplay là-dessus. Donc, pas en live, désolé. Donc, juste le début du jeu, mon ressenti, comment je me sens et tout le tralala. Hein. Vous connaissez mon niveau. Hein. Voilà. Et il y aura aussi, du coup, mon ami Tony. Tu vas pas t'en sortir comme ça. J'ai reçu, voilà, un super colis. Et donc, du coup, ça fera l'objet d'un unboxing, comme on dit chez nous, les youtubeurs. Donc, du coup, il y aura un petit unboxing sur ce colis de mon copain Tony DM, une fois encore. De plus, je te remercie. T'es un gros fou. J'espère qu'on va bien rigoler. En tous les cas, hein, je ferai la petite vidéo aussi et de l'ouverture de ce petit colis. Et voilà, je te remercie par avance, mon copain. Voilà, Tony DM, c'est l'équivalent d'un Pat et d'un Gorzug. Voilà, hein, on les voit un peu partout. Je vais faire une petite session pub ou pas? Notamment bah, sur la chaîne de la traqueuse N7, que je vous invite à aller de ce pas si vous ne connaissez pas cette petite chaîne. Et franchement, elle fait du gameplay, fait du blabla avec ses internautes, ce qui est plutôt agréable. Elle est sans prise de tête. Et voilà, c'est une très très bonne personne. Voilà, c'était mon instant pub. Super. Donc voilà, les amis, bah écoutez, moi, sur ce, je vous dis bah, à la prochaine. Restez connectés, abonnez-vous, n'hésitez pas à faire connaître la chaîne, enfin bref, hein, c'est le coup de pub encore. Activez la petite cloche. Et puis moi je vous dis à la prochaine, tranquillement, jouez bien, cassez pas les manettes et surtout prenez soin de vous. Ciao les amis! The moon and the stars, the
plants and the animals. All living things, let me share your